Bonjour, nous allons réaliser un cake aux pommes, bananes, chocolat pour 8 à 10 personnes. 150 g de beurre. Voici les ingrédients: 50 ml de lait végétal, une cuillère à soupe de cannelle, une banane, 3 œufs, quelques carrés de chocolat. 85%, 80 g de sucre roux, 100, excusez-moi, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, deux pommes, n'importe quelle pomme. Pour commencer, battre les œufs avec le sucre roux. Voici le sucre et les œufs battus. Maintenant, on va prendre le beurre, on va le faire fondre au micro-ondes et le rajouter dans le beurre et le, dans le sucre et les œufs. Et avec la levure et la farine. Les battre bien après. Voici le beurre dans les œufs et le sucre. Maintenant, je vais rajouter la. J'ai mis la levure dans la farine. Maintenant, je vais rajouter la farine et la levure dans cette préparation et battre bien. Voici le mélange fini. Maintenant, ajoutez la cuillère à soupe de cannelle, puis les 50 ml de lait végétal et remuez bien. Voici le mélange fini. Tous les ingrédients sont mis. Maintenant, on va écraser la banane et la rajouter dans la pâte. Éplucher la banane et on va l'écraser et la mettre dans la pâte. Voici la banane écrasée. Maintenant, bien mélangée avec la pâte. Voici la pâte bien mélangée. Maintenant, on va prendre les deux pommes. Et les éplucher et les couper en lamelles. Mettre la moitié de la pâte. Après, je vous dirai comment faire. Je vais déjà éplucher les pommes et les couper en lamelles. Voici le moule beurré à cake. Maintenant, on va mettre la moitié. Attends. Mettre la moitié de la pâte dans le moule à cake. On va mettre la moitié là-dedans, dans le moule à cake. Voici la moitié de la pâte dans le moule à cake. L'autre moitié, elle est dans le saladier encore. Maintenant, sur la pâte, on va mettre une lamelle de pommes coupées sur la longueur. Puis verser le reste de la pâte par-dessus. Voici les pommes coupées en lamelles sur la pâte. Maintenant, verser. On va verser le reste de la pâte sur les pommes. Voici la pâte, l'autre moitié de la pâte sur les pommes. Il doit vous rester une pomme, un quart de pomme, je veux dire. Une moitié de pomme. Et on va les mettre en lamelles sur le dessus de la pâte. Voici le reste de pommes sur la pâte. Maintenant, on va prendre le chocolat. On va prendre deux carrés de chocolat, deux ou trois comme vous voulez, et faire des gros morceaux de chocolat. Voici le chocolat coupé en gros morceaux. Maintenant, cuire 45 minutes à 180 degrés. Je vous montrerai comment c'est à la fin. Voici le cake pomme, banane, chocolat fini. Bon appétit à tous. Attendez un petit peu pour le démouler.